Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Aujourd'hui, une Jouvenco. Voilà, le concours est terminé. Mais je viens de recevoir aujourd'hui un gros colis. Alors voilà, il est quand même assez imposant le coco. Donc, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir ici sur le bureau. Donc, je vais le mettre à côté de moi. Alors, ce colis m'a été envoyé par Dominique G. Alors, mes ciseaux, tout se casse la marboulette. Alors, Dominique du 37. Alors, Dominique du 37, que m'as-tu envoyé? Alors, ici, alors déjà, eh bien, dis donc, une jolie carte. Oh, c'est joli ça. C'est joli, joli. Oh, avec des patins. Ça, c'est beau. Have yourself a merry little Christmas. Merci. Waouh. Du liège, une belle boule. Avec du liège. Ah, mais que c'est beau. Oh, l'esprit de Noël. Alors, chère Agnès. Oh, bah oui, ça me fait plaisir. Eh bien, moi aussi, je t'embrasse. Eh bien, toi aussi, prends soin bien de toi. Je transmettrai le bonjour à Alain. Merci, Dom. C'est vraiment, voilà, avec un joli petit embellissement en bois. Waouh, c'est joli. C'est vraiment magnifique. Dis donc, c'est toi qui dis que... Hein? Ouais, ça va. Hein? Limite, je fais rien de bien. C'est pas bien ça. C'est magnifique. C'est joli comme tout. Dominique, je vais te frapper. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce colis? Alors, une enveloppe. Une enveloppe avec... Oh, c'est du washi, ça. Ah, des bandes de washi que tu as collées pour que je puisse m'en servir. Je me trompe ou pas? Alors, ça marche? Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est ce que tu as voulu préparer, en fait. C'est ça? C'est du washi que je vais pouvoir... Oui, c'est ça. Ok. Décoller et me servir. Tu me diras, mais je pense que c'est ça. La façon dont tu les as installés. Ou alors, c'est pour faire de la découpe. Ben, demi, tu me diras. Moi, je suis prête à les décoller, mais c'est peut-être pas du tout ça. En tout cas, ils sont vachement beaux, tes washi. Ils sont chouettes, hein. Comme ça, avec toutes les écritures. Ah ouais, du washi Alice. Ah ouais, il est vraiment beau. Oh, c'est joli ça. Alors, ça, c'est beau. Alors, ensuite, une deuxième enveloppe. Une deuxième enveloppe. Oh, bah, dis donc, on a des choses ici. Oh! Je vérifie s'il n'y a rien d'autre. Oh, tiens, tiens, il me parle, ce papier. Tu l'as imprimé. Et ça donne super bien. Ça donne super bien. Il est vraiment chouette, ce papier. Hein. Une journée en ton honneur et de mise pour célébrer ce que tu es et tout ce que tu fais. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait des beaux sentiments, hein, mine de rien. Je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Merci. Petit moment inestimable. Je pense à vous. Ah ouais, non, mais franchement, ça fait des super trucs. Ça fait vraiment des chouettes sentiments. Hein. Ah, bien. Joli. Ah, je l'ai, celle-ci. Je l'avais... Oh, je crois que je l'avais trouvée sur Pinterest. Bien. Ensuite. Clouterie. Waouh, des belles images. Alors ça, apparemment... Ouais. Sur du papier calque. Ça.
Saint-Gère, ah, cette fameuse Saint-Gère. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Alors, je dirais que c'est un papier A3 que tu as où tu as appliqué de l'huile. Enfin, oui, je pense de l'huile ou de l'amande, de l'amande douce. Ça me fait penser à ça. Alors, ça veut dire que tu as imprimé avant et que tu as teinté ton papier. Voilà, j'aimerais bien savoir également. C'est super chouette. Oh là là, ça fait vraiment une super belle texture. Bah, tu me confirmeras comme ça, moi, comme ça, à toute attraque. Je dirais que c'est... Ah, chouette! Plein de découpes. Oh là là, qu'est-ce que je suis gâtée en découpe. Oh, qu'est-ce que je suis gâtée en découpe. Mais vous savez que c'est super, hein, parce que en même temps. Oh ouais, ça c'est cool. Hein. Ah ouais, t'as fait des découpes dans le papier. Le papier que je vous avais présenté. Là. Enfin, moi, je l'adore, hein, franchement. Ouais. Ah, c'est cool. Ah, les petits oiseaux. Ouh là, attends, faut pas que je les perde. Hop, hop, hop. Alors, attends, je passe. Je vais tout faire glisser dans la chose après. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Ah, ouais. Alors, ça, par contre, ça, tu sais quoi? Cette découpe comme ça. Alors, tu sais que je rêverais d'en trouver une. Ça, c'est génial. On peut décrocher les petits tickets. Alors, ça, c'est vraiment super. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Ah oui, tu les as embossés. Oh, il est chouette ton truc embossage. Les tasses. Oh là 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 là. Ouais. Eh ben. Oh, bon, 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 bon. Bah, tu t'es amusée. Hein. Oh, mais vous vous amusez, les filles. Hein. Oh, super. Hein. Ah, ouais, chouette. Bien, bien, bien. Oh, les belles lanternes. Oh, j'ai un coup de chaud là. Oh, tu me donnes chaud. Oui, tu me donnes chaud. J'ai un coup de chaud. Oh, mon Dieu. Eh ben, ah ouais, cool. Oh, génial. Waouh, waouh, waouh. Ouh, ça, c'est cool aussi. Ça, tu sais quoi, pour faire même du mix média, là. Alors, c'est en même temps, ça tombe bien, tes petits trucs, là, parce que je suis en train de faire un tutoriel, là, avec la customisation d'une boîte de marron glacé pour ranger mes sentiments, justement. Et je m'étais dit... C'est rigolo. Ah, super, tu m'en as fait deux. C'est génial, ça. Et je pensais, tu vois, justement, incrémenter des... Ah, oh, bien. Incrémenter des jolies choses. Oh, super. Oh là 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 là. Ben oui, ça, dans l'agenda couture. Génial. Oh, la vache, vous avez de la patience pour faire des trucs comme ça, vous. C'est pas possible. Enfin, moi, c'est pas que j'ai pas la patience. C'est que là, pour l'instant, je manque de temps. Je manque de temps, je manque de temps. Oh là là, super. Franchement, ça, c'est vraiment nickel. Vous m'avez toute gâtée en matière de découpe, mais vous savez que c'est vachement important parce que on n'a pas toutes, évidemment, les mêmes dailles. Et j'en ai pas bézef, j'en ai pas tant que ça. Donc, là, vous m'offrez une variété de die cuts. Merci beaucoup. Merci à toi, Dominique. Oh, alors, oh, des gâteaux. Oh, 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 des gâteaux. Oh, la vache. Oh, mais deux boîtes en plus, deux boîtes de gâteaux, biscuiterie de Chambord. Mais ça, tu sais que c'est vieux, ça. C'est, ah bah oui, tiens, marqué, c'est marqué dessus. Maison artisanale fondée en 1978. Qualité et tradition. Alors, c'est des pavés solognaux. Alors, attends, la Sologne, ça démarre en Touraine. Je voyais ça plus. Alors, moi, je suis attendue, hein, parce que. Géographiquement, j'arrive quand même bien à me situer, mais la Sologne démarre en Touraine. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Oh, tu sais quoi, alors attends, bouge pas parce que... Ah, mais c'est deux choses différentes en plus. Petit four à la cerise. Donc là, on a du croustillant à l'orange. Oh, oi, 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 oi. Et des croustillants rhum raisin. Oh, punaise, faut pas qu'Alain voit ça. Hein. Ouais, s'il voit ça, il faut que je les planque. Hein. Faut que je les planque. Non, 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 c'est... Oh là 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 là, je suis sûre que c'est super bon ça en plus. Oh. Attends, je renie. Hop, en plus, bien, dans les petits sachets individuels. Ça, c'est bien. Oh. Mmh.
Oh, dans des petits sachets comme ça individuels. Oh, ben ça, c'est cool. Ça, c'est le genre de petit truc, tu vois, pour emmener quand on part en voiture des longues distances. Là, on aime bien grignoter, on aime bien grignoter dans la voiture. Voilà. Alors, soit on achète des sucettes ou des bonbons. Ou voilà. Mais c'est vrai qu'on a, on a cette sale manie de grignoter un peu dans la voiture. Croustillant à l'orange. Mais ça, tu vois, pour les, nos petits voyages, là, ça, c'est bien. Alors, mais ça, j'ai presque envie d'ouvrir. Hein. Allez, hop, hop, hop. Oh, la gourmande. Oh, puis en plus, attends. Et tu sais quoi, en plus, ces boîtes-là, là, c'est génial parce qu'en fait, on peut peut-être même s'en servir. Alors, elle n'est pas gourmande, Agnès. Hein. Hop. Oh, punaise, c'est bien enveloppé en plus. Hein. Oh. Oh là là. Oh. Mmh. Oh ben ça c'est clair que... Ouais, c'est clair que... On va se régaler. Oh merci. Je vais pas ouvrir l'autre quand même. Je vais être sage. Mais, oh merci Dominique. Alors là c'est gâté là. Miam miam. Miam miam miam. Attends, je prends du plastique ici là par contre. Voilà. Hop. Là, ça, même pour le matin, là, au petit déjeuner. Oh. Je vais même m'en emmener au bureau, tu vois, parce que le bureau, moi j'aime bien manger aussi. Un peu le matin. Alors, what is this dans cette boîte? Oh bah dis donc, c'est toi qui l'as fait, elle est super belle. Dominique, il faut que tu arrêtes de dire que tu bricoles, je sais pas, tu n'es pas trop sûr de toi. Hein. Et c'est pas bien. Hein, on va être toutes là à te dire, mais enfin, écoute. Alors, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas. Oh. Oh, les chocolats. Non, là, par contre, je les planque. Hein, parce que là, ça va. Hein, ça va bien. Ils me mangent tout. Hein. Oh la vache. Je sens. Je renifle. Juste je renifle. Hein. Oh punaise. Oh c'est quoi ça? Oh on dirait des... Ah c'est comme des After Eight. Hein. C'est ça? Oh ben non, faut pas que je tape dedans déjà. Bon, ce soir en regardant la télé. Voilà. En regardant la télé ce soir. Hop. Merci Dominique. Elle est super belle ta boîte. Avec la petite fermeture comme ça, et franchement, c'est génial. Avec des beaux boutons. Et bien, comme ça, au moins, je pourrais mettre des petites choses aussi dedans. En fait, je me sers de tout ce que vous m'avez offert. Je me sers de vraiment de tout. Vous voyez, je me fais mes petits pots avec tout ce que vous m'avez offert en boîte, en petites choses. Là, tout est exploité. Il n'y a pas de, souci. Alors, oh! Oh, de la du cuir. Alors ça c'est génial. Oh la vache, c'est des espèces de morceaux de cuir. On dirait des cuirs de ceinture. Ah ben dis donc, ça c'est de la qualité. Hein. Ça c'est vachement du costaud. Et tu sais quoi, en plus, l'autre jour, c'est marrant parce que ben, je voulais en acheter justement des. Alors je sais pas, des chutes. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que quelqu'un, est-ce que l'une d'entre vous a déjà essayé d'acheter sur Amazon notamment des chutes de cuir? J'ai lu des bonnes critiques et des beaucoup moins bonnes. Donc je c'est vrai que c'est bon, ça reste quand même un coup. Et il y avait les ustensiles justement pour utiliser le cuir, pour le percer, pour le coudre, voilà, blabla. Mais bah, c'est super, franchement génial. Alors, ça, ceci, cela, ça, ah, oh, ça c'est génial. Ça, c'est super bien. Ça peut servir à mille choses, en fait. Notamment, ne serait-ce que bah, pour... transférer en fait, appuyer sur du papier avec, je vais y arriver à trouver mon terme, nom d'une pipe, de nom d'une pipe, de nom d'une pipe, transférer en fait, voilà, le motif, voilà, sur du papier vieilli avec du café.
On pose ça et hop, après, voilà, on a tous les petits dessins, tous les petits stries. Ça peut être sympa. Après, ça peut servir à plein d'autres choses. Génial. Ça, c'est cool. Et alors, ça, c'est encore plus cool. C'est lame, enfin, c'est feuilles de carton alvéolé, là, comme ça. Avec hop, des toutes petites découpes, on peut faire des super chouettes trucs. Ça, c'est génial. Tu vois? Moi, je me triture là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Oh, dis donc. Et oui, je disais pour le carton, moi, je m'escagasse à le diviser en deux pour obtenir quelque chose. Oh là là. Oh, ça, c'est joli. Ah! Ça me parle. Ça me parle, c'est certainement ce que tu as fait avec un CD. C'est génial comme support. Comment se servir des vieux CD ou des vieux DVD? Ça, c'est génial. C'est super beau ce que tu as fait. Ça, c'est vraiment beau aussi. Alors, attends, tu as fait comme ça, ok. Super chouette. C'est très, très beau. Ouais, vraiment bien. Chapacha. Chat. Oh tiens, ça me parle ce sentiment. Ne viendrait-il pas de moi? Avec un chat, ben oui, évidemment. Hop, attends. Ah, il est génial ton. Un cachet de cire. Avec une patte de chat. Chat 1 sur 4. Génial. Ah, il est super ton cachet. Oh, les chats. Tu vois, regarde. Moi aussi, je suis sur le thème du chat. J'ai demandé à ma prothésiste angulaire. Elle me le fait assez souvent. Je lui demande assez souvent de me faire des petites pattes de chat sur mes ongles. Ah ouais. Beau tissu. Ah, super. C'est de la serviette que tu as à l'intérieur sur ton tag. Et c'est vraiment beau hein, ce que tu as fait, hein, cocotte. Ça, c'est super chouette, hein. Oh, elle est belle ta pince. Ah, cool. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est génial. Elle est super belle. Hein. C'est comme une loaded enveloppe, hein, c'est ça. Hein. Avec les bords retournés comme ça. Ouais, franchement, nickel. Hein. Alors, attendez, je crois que c'est mon téléphone qui doit sonner. Bougez pas, je reviens. Voilà, pardon. J'en étais où, moi? Oui, l'audit d'enveloppe, que tu travaillais très bien, que c'était vraiment super joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, tu vois, la petite l'audit d'enveloppe, je vais certainement me l'accrocher dans ma loge. C'est comme ça que je fais. Comme ça, je peux mettre des petites choses après à moi, quoi, en fait. Hein. Oh, écoute, franchement, c'est vraiment mimi. C'est vraiment kiki tout plein. Alors, attends, ça devait être là. Voilà, comme ça. Et puis, piote ici. Alors, ici, dans cette poche, mon épicerie bio en vrac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça. Eh bien, écoute, ça, je l'ai déjà. Ah, ah. Ouais. Et ça, je les avais trouvés, je pense, chez Noz. Alors, attends, je te dis que j'ai les mêmes. Faux. J'ai pas les mêmes motifs. Mais c'est exactement la même matière. Mais c'est pas les mêmes motifs, c'est la même couleur, voilà en fait. C'est la même couleur et moi je les avais trouvés chez Noz, il me semble. Voilà. Ah, et du blanc. Bien, nickel. C'est vrai que tu vois, j'y pense pas. Je les ai dans mes cartons. Oh, génial! Des serviettes en papier. Oh, ça. Oh, punaise, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, mais, et tu sais quoi? Alors là, ça tombe à pic, mais à pic de chez pic. Je suis en train de, comme je disais tout à l'heure, en train de customiser une boîte de marrons glacés de chez Lidl.
Et je me disais, je viens de passer du gesso, tiens, j'en ai plus encore sur les mains, si voilà. Je viens de passer du gesso dessus et je voulais faire du serviettage. Et ça, c'est des serviettes qui vont exactement aller super bien. Oh, c'est génial. Bon, alors là, écoute, tu tombes à pic parce que j'avais pas deux mêmes serviettes. Oh, génial. Ouh, elles sont belles aussi. Oh la vache. Je suis vraiment gâtée parce que, oh là là, elles sont magnifiques. J'ai ma collègue Claude qui m'en a donné. Alors, c'est vraiment. C'est d'autres. Enfin, c'est un autre style. Elles viennent de Pologne. Et en Pologne, ils ont des serviettes en papier aussi. Mais je vous les ai montrées hein, déjà. Vraiment topissime. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Écoute, merci beaucoup parce que là, franchement, les serviettes en papier, moi, j'avoue que je suis hyper fan. Ah ouais, super. Où est-ce que vous trouvez des variétés de serviettes en papier comme ça, là? Ça, alors là, moi, je bataille comme une malade. Enfin, oh là là, cool, hein. Bon, ben, elles vont aller rejoindre les autres. Enfin, en tout cas, ces deux-là, c'est clair, je vais m'en servir. Parce que ça va aller pile dans le thème de ma loge. Comme on va la refaire, mais bon, je vais garder quand même les couleurs de base. Tiens, il y a des noix. Aurais-tu mangé des noix, Domi? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, bouge pas. Hop. Ici. Alors, ici. Oh, c'est beau. Mais elles sont belles, tes pinces, comme ça. Sont super chouettes. Hein. Ah! Donc ça doit être des papiers 15-15. Thème vintage. Thème vintage. Super beau. Alors ça, tu sais, pour pas les perdre et pour être sûr de bien les retrouver, je vais les remettre avec mon carnet 15-15 que Nadine m'avait offert. Et comme ça, au moins, je saurai exactement où les trouver quand je les chercherai. Alors. Oh là là! Oh là là! Moi, je suis comme une enfant. Enfin, franchement, grâce à vous, moi, je vis Noël depuis début octobre. Oh, joli. Ah ouais, très belle dentelle. Et puis en plus, j'ai de quoi. Oh! Merry Christmas! C'est génial ça! Ah, elle est belle, hein. Il est beau ce ruban. Ah, oh, génial. Hihi. Un joli ruban. Fuchsia. Ouais, ça c'est génial aussi. Ça, ces petits morceaux comme ça, là. Ces petites grilles, j'en ai une à peu près dans le même style, mais écrue. Et malheureusement, je sais plus où je l'avais acheté. Et maintenant, je l'utilise vraiment petit peu par petit peu parce que ben, je suis. Oh ouais, génial. De la jute, on dirait de la jute ben, verte. Hein. C'est pour on dirait. Je pense que c'est de la jute verte. Bon, ça, c'est des petits trésors, hein, tout ça. Hein. C'est ce que je disais l'autre jour. Pour nous, les scrapeuses, à rien. Enfin, à rien. C'est grâce à ces échanges, ces dons entre nous. Oh là là, c'est chouette. Alors, celui-ci, j'ai l'impression que j'en ai. Je crois que ça ressemble à ce que j'ai. J'ai un ruban comme ça, il me semble. Mais je voudrais. Enfin, ça me parle. Celui-ci, il me parle bien. Oh, avec les pattes de chat. Mais oui. Oh, c'est trop marrant ça. Oh, qu'est-ce que c'est adorable. Avec les pattes de chat comme ça. Ah, oh, c'est. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, ben ça, c'est beau aussi. Avec des cœurs. Oh. Il est superbe, celui-ci aussi. Hein. Franchement. Oh, merci. C'est adorable. Bon, je rangerai tout ça avec mes propres petites choses, évidemment. Alors. Ça, qu'est-ce que l'on a? Ah, génial! Eh ben, tu sais quoi, j'en ai pas du tout de cette couleur. Eh, c'est beau ça!
Ça rend bien en fait sur la vitre là comme ça. Ah dis donc, hop, en plus tu m'as mis de la matière, hein. Wesh. Eh bien. Bah écoutez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du papier de soie, non? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, ce vert comme ça là en plus. Le gris. Noël! C'est Noël! Oh, beau! Oh, dis donc! C'est sublime! Ça, c'est trop mignon aussi! Écoute! Oh, cool! Mais vous êtes folle, les filles! Mais je suis très contente! Alors attention parce que là il y a plein plein de trucs. Je vois plein plein de choses. Oui, je vois. Alors ça c'est du washi. Alors ici. Alors hop, c'est un peu collé là. Hop. Alors attends. Est-ce que ça, c'est pour faire des transferts ou je dois juste couper comme ça? C'est juste transparent. Je ne connais pas cette matière, Domi. Je ne connais pas. Alors, si tu peux me venir en aide, c'est super beau, mais je ne sais pas si je coupe, si je m'en sers tel que ou pas. Ah, du washi, du washi, du washi. Enfin, c'est pas du washi, c'est un autocollant, on va dire, hein. Écoute. Est-ce que c'est pas le même? Je crois que ça y ressemble. Mais le mien. Attends. Est-ce que c'est le même ou pas? Non, peut-être pas. C'est sensiblement la même chose. On est sur la même matière. Mais je me demande. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est très bien. Oh, par contre, ça, c'est génial. Ça, par contre, je ne l'ai pas sur ce format, sur ce format-là, ça c'est chouette. Ah ouais. Cool, cool, cool. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis ici? Oh, un beau ruban. Alors, attends, est-ce que... Non, c'est pas l'autocollant, hein, celui-là. Hein. En tout cas, il est super beau. Ah ouais. Alors là, c'est un petit peu pareil. Mais enfin, c'est pas du tout la même chose. Hein, mais c'est la matière qui me fait penser à un truc. Ça a un nom, ça. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'allais m'étouffer. Des pinces en bois. Oh, trop belle. Ah, elles sont géniales. Avec des petits rennes. Une étoile, un sapin. Ah, c'est chouette ça, dis donc. Oh. Non, mais je vous jure. Oh, c'est trop mignon avec la petite chouette. Oh là 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 là. Alors ça, c'est action, je pense. Mais ça, tu sais, on n'en a jamais trop. Hein. Ah oui, parce que là, tu vois ce... Ah, oh, superbe. Oula. Ah bien. Oh, avec un chat. Oh, c'est trop mignon. Les petits papillons. Enfin, les beaux papillons. Oh, c'est beau ça. Ah, tu sais quoi, de cette taille-là, j'en avais pas du tout. Les miens sont vraiment trop trop petits. Enfin, très petits. Très 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 petits. Mais alors, c'est toi qui les fais, tes cabochons là? Hey, ils sont super beaux, tes cabochons. Attends, tu m'en as mis plusieurs. Ah, c'est vachement chouette. Alors, est-ce que c'est un cabochon et puis tu colles une image? Ah, j'adore les dessins. J'adore les dessins. C'est sublime. Ah ouais, carrément. Ah, c'est tip-top, ça.
Alors, hop. Pas trop lumineux. C'est chouette, hein? Ouais, je pense que c'est toi qui l'as fait, de toute façon. Hop là. Ça peut être que toi. Alors. Des belles plumes. Oh là là, les boutons. La petite clé, les plumes, les petits parasols. Oh, elle a encore un chat. Oh là 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 là, j'adore les chats, j'adore les chats. Le mien est couché au-dessus. Hein. Alors, il n'est pas beaucoup sorti de la journée. Et ça, les petits boutons en bois. Moi, ouais, franchement, nickel. Waouh. Avec tous les petits embellissements métalliques. Oh, écoute, bah, écoute, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Attends, où est-ce qu'il est, l'autre minou, là? J'avais pas un autre. Ah, si, il est là. C'est bon, j'ai tout rangé. Eh ben, je suis sans voix. Je suis sans voix. C'est sublime. Hein. Alors. Oh, ça, c'est beau aussi. Oh, ça, c'est génial. Ouf. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, j'en ai fait aussi. Oui, ça, c'est génial. Hein. Ça nous fait des belles trucs. Hein. Un filtre à café avec du serviettage dessus. Ça fait des résultats de fifou. J'adore. Je suis fan. Alors là, on peut se lâcher en matière de déco. On les colle, on les... Enfin, c'est super. Alors... Des stickers déco repositionnables. Coffee menu. C'est génial, ça. Ça, c'est cool, ça. C'est vraiment chouette. Oh. Je suis en train déjà de chercher à ce que je vais en faire. Hein. C'est... Ah, oh, punaise. Oui, c'est bien ce qui me semblait, ce que j'avais vu au fond. Oh, punaise, ça, c'est beau. Oh là 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 là. Puis alors c'est du papier épais, hein, mine de rien. Attends, il est vachement épais. Ah oui, quand même. Attends, non, il n'est pas possible, il y en a deux là. Non? Ah non, non. Concours de bébé. Ah ouais, bah oui, évidemment, de la marque Blédine. Votre enfant peut participer au concours annuel organisé par la Blédine, Jacques Maire. Est doté de 100 000 francs de prix. Tous les concurrents seront primés. C'est génial. Oh là 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 là. Oh là là, ces grandes pages comme ça, mon Dieu, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Oh. Ça, c'est une merveille. Hein. Alors ça, c'est une pure merveille. Le papier, en plus, est légèrement glacé. Voilà les trucs... les chapeaux de qualité. Il me semble avoir vu ça derrière ton disque. Hein. Oh là 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 là. C'est super. Puis tu m'en as mis quand même un paquet. Hein. Bah, écoute, moi qui voulais faire un tuto derrière avec des... avec une forme d'enveloppe, là. Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Le miroir du monde, 1932, 30 juillet 1932. Pff. Pétard. Ah, puis alors, ça fait du bien de se replonger là-dedans. Ça fait tellement drôle, hein, on va pas se mentir. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas abîmé, hein, c'est vraiment... Oh là là, regardez. Le sanatorium des PTT à Montfaucon-du-Lot. Toutes les dames qui sont en train de reprendre des forces. Ici, la jeunesse se repose, reprend des forces et du goût à vivre. Pneumothorax, pratique. Le docteur Auger pratique un pneumothorax sur une malade. La salle de récréation où le billard est mis à rude épreuve.
Oh là 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 là, c'est génial. C'est vraiment super. Oh, les photos d'époque. Regardez, et c'est ce que je devrais faire ça quand je vais repartir en vacances. Les femmes de l'époque mettaient voilà une petite protection sur leur nez pour éviter de cramer le nez au soleil quoi. Ah bah, c'est marqué dessus. Pour rester belle, il faut parfois savoir sans les dire. Voici trois baigneuses à Jouant-les-Bains qui n'hésitent pas à se protéger le nez d'une façon peu gracieuse pour éviter les coups de soleil. Voilà, elles ont une petite protection sur le tarbif. Et moi, clairement, c'est exactement ce que je devrais faire si on a la chance de pouvoir partir au soleil au mois de janvier, n'est-ce pas? Parce que alors là, franchement, plus ça va, moins j'y crois. C'est exactement ce qu'il faudrait que je fasse parce que moi, c'est le pif qui prend en premier. Alors là, c'est dingue. Oh, bah écoute, merci beaucoup, Dominique. Tu m'as énormément gâtée. Ah, toi aussi. Écoute, franchement. Merci du fond du cœur pour toutes ces jolies choses parce que mis bout à bout ça fait quand même ça représente un gros colis également donc ça part beaucoup du cœur, c'est fait avec voilà comme je te disais tout à l'heure tu me dis oui c'est pas un colis de professionnel mais je n'ai enfin dans un colis professionnel, j'ai envie de te dire, je sais ce que je commande, donc je sais ce que je vais recevoir. Là, voilà, c'est un milliard de petites choses que je n'avais pas, hein, mis à part voilà, juste un petit truc. Mais à chaque fois, je reçois des choses que je n'ai pas chez moi. Et du coup, je me fais encore plus de plaisir à créer et d'essayer de vous créer des choses, même si voilà, ça reste franchement très sommaire, ça reste quand même, ça reste du basique, hein. Mais en tout cas, je prends toujours plaisir à le faire et maintenant en plus à utiliser ce que vous m'envoyez parce que ça me permet aussi de vous faire des petits clins d'œil à chaque fois. Malheureusement, je ne me souviens pas de qui m'a envoyé quoi. Je m'en excuse, mais avec la multitude de choses que j'ai maintenant dans mes tiroirs et c'est vous qui avez œuvré à ça. Malheureusement, je ne peux pas me souvenir. Donc, je dis, c'est un cadeau d'une abonnée, mais voilà. Par contre, je sais faire le distinguo entre ce que j'avais moi et ce que vous m'avez offert, vous. Hein. Ça, par contre, les choses sont très, très claires dans mon esprit. En tout cas, merci beaucoup, Dominique, pour ce généreux envoi, ce don de toi, qui me fait beaucoup plaisir, qui me touche énormément. Enfin, sache que je suis vraiment très très reconnaissante et que voilà, je pense que tout le monde aussi appréciera de découvrir ce que tu m'as envoyé parce que c'est encore un réel et bel élan de générosité et de partage. Donc, merci encore pour ta bienveillance. Merci aussi pour tous les messages que tu m'envoies pour aider Alain à ses cours en autodidacte de guitare. Donc, je lui fais part de tes petits messages, notamment ceux de ceux qui concernent Thomas Dutronc. Donc là, tu vois, je suis en train de tourner et il est en train de gratter, de gratter, de gratter. Il a mal aux doigts, mais il commence à sentir sa petite peau là sur les doigts. Donc il dit, c'est bon. Voilà, en tout cas, on a la crève tous les deux. On sent que ça monte. On est un petit peu malade. Donc voilà, on tousse et blablabla. Bref, c'est pas du tout le sujet. Je vais vous embrasser parce que je vais continuer ce que j'avais commencé donc avec ma boîte. Donc je vais continuer le tutoriel sur la customisation de cette fameuse boîte qui doit être sèche maintenant. Et donc, bah, écoute, ça tombe très très bien parce que je vais utiliser les serviettes que tu m'as offertes. Donc celles-ci, vous allez les revoir très très bientôt parce que c'est vraiment concrètement de très très belles serviettes et en plus j'en ai quatre donc j'ai largement de quoi faire pour embellir ma boîte donc merci du fond du cœur merci à toutes les autres pour votre fidélité pour vos messages j'ai eu beaucoup de messages parce que c'est vrai que j'ai eu un temps d'absence assez long mais je vous ai tout expliqué dans une vidéo du pourquoi du comment et tout ça pour dire quoi j'ai bouffé la com bref bon
Allez, je vous fais des gros bisous. Oui, si, je disais merci pour votre fidélité, merci pour vos petits mots. Je sais que vous êtes là et je suis là aussi, moi, là pour vous. J'ai répondu à beaucoup de messages, j'ai répondu à beaucoup de questions, j'ai envoyé beaucoup de liens, peut-être avec un ou deux jours de retard, hein, mais voilà, c'est ce qu'il me faut maintenant pour répondre aux nombreux messages. Je reçois à peu près entre 50 et 60 par jour. Donc, ben voilà, je prends le temps d'y répondre et surtout de vous filer les infos que vous me demandez. Mais je le fais avec plaisir. Je préfère mettre 2 jours et puis que juste vous répondre merci, au revoir, enfin, je préfère vous répondre avec tout le complément et toutes les infos que vous me demandez. Bref, voilà, ça y est, je vais y arriver, blablabla. Je vous fais des gros gros bisous, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, je vous aime et vraiment à tout bientôt. Ciao!